Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rester sur les goûters ou les petits déjeuners des enfants. Alors, quoi de mieux? Les enfants, ils adorent la brioche. Aujourd'hui, on va faire une brioche économique aussi, avec peu d'ingrédients. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin de pétrir, mettre la main à la pâte, ni rien du tout. Alors, pour ces brioches, que d'ailleurs, on va faire dans les petits moules à cupcake. Donc vous voyez, j'ai déjà mis des petites caissettes, mais c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas les caissettes et vous avez les moules, vous les beurrez et farinez. Voilà. Donc il vous faut 160 ml de lait, un sachet de levure chimique, 280 g de farine, 30 g de sucre. Une bonne cuillère à café de levure boulangère, un blanc d'œuf, 40 ml d'huile. Le jaune d'œuf, c'est pour la dorure, donc vous aurez besoin en tout d'un œuf. Le blanc, on va l'utiliser dans la pâte et le jaune pour la dorure. Et j'ai besoin de 2 cuillères à soupe de graines de sésame, c'est facultatif. Une cuillère, je vais l'utiliser dans ma pâte. Et l'autre pour la déco. Et bien évidemment, la petite pincée de sel que j'oublie toujours. On passe à notre recette. Je vais commencer par tamiser ma farine. Donc, on va commencer avec tout ce qui est sec. Je vais rajouter la levure chimique dessus. Comme ça, il y a tout qui se mélange bien. Je vais mettre ma petite pincée de sel avant de l'oublier. Alors, hier, pour la recette d'hier, j'ai oublié la petite pincée de sel. Et il n'y a personne qui me l'a fait remarquer. Voilà. Maintenant, on va rajouter la levure boulangère, le sucre. Et je vais rajouter la moitié de mes graines de sésame. Alors, moi, j'adore les graines de sésame dans les brioches. Donc, on va mélanger tout ça. Voilà. Maintenant, je vais mettre l'huile. Mon blanc d'œuf. Et le lait, je l'ai fait tiédir. Il est tiède. Je rajoute mon lait et on mélange. Alors, plus facile que ces recettes-là, vous n'en trouverez pas. Donc, vous voyez, je vous ramène des recettes faciles à la portée de tout le monde. Juste on mélange comme ça avec notre cuillère en bois ou ce que vous avez. Voilà. Alors ici, on veut une mie vraiment bien aérienne. On va rajouter une petite goutte de vinaigre blanc. Alors, bon, je vais mettre vraiment un tout petit peu. Voilà, ça aide vraiment la pâte à devenir bien aérienne. Vous avez vu, ça ne laisse pas ni de goût, ni rien du tout. Voilà. Alors on essaye de bien mélanger. Voilà. Alors maintenant, on va passer pour mettre la pâte directement dans nos moules à cupcake. Pour ce faire, on prend une cuillère avec un petit récipient avec un petit peu d'huile. On fait tremper la cuillère dedans l'huile. Pourquoi je fais ça? Pour que ma pâte elle colle pas dans la cuillère. Je prends une cuillère comme ça et je la mets dans le moule.
Voilà. Je vous ai dit qu'on n'allait pas toucher la pâte du tout. Vous avez vu, j'ai pas pétri à la main ni rien. Je ne touche pas la pâte. Il y a tout qui se passe avec la cuillère. Voilà. Je trempe dans l'huile. Une souris verte. Trempez-la dans l'eau. Trempez-la dans l'huile. Ça me rappelle les petites cantines que chantait ma fille. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bien évidemment, on ne va pas les laisser comme ça. C'est pas joli à voir. Donc, je vais tremper les doigts dans l'huile. Et je vais aplatir comme si j'étais en train d'aplatir une pâte normale. Comme ça, on va obtenir quelque chose de bien lisse. Donc, vous voyez, le seul moment que vous touchez la pâte, c'est celui-là. Donc, j'aplatis bien. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, ça s'aplatit très très bien. Comme ça, je fais tout pareil. Voilà, maintenant je vais couvrir et laisser pousser. Alors, si vous n'êtes pas, ou plutôt si vous êtes pressé et vous voulez que ça pousse vite, petite astuce, moi ce que je fais, c'est que j'allume mon four à 40 degrés et je mets tout ce que j'ai besoin de faire pousser dedans. Alors à 40 degrés, ça ne cuit pas, juste ça aide à faire pousser la pâte plus vite. Donc, je vais laisser pousser mes petites briochettes et je vous retrouve juste après. Voilà, alors mes brioches, ils ont poussé. Vous voyez, on voit la différence. Ils ont gonflé un peu. Donc, je vais les laisser comme ça, le temps de prendre mon jaune d'œuf. J'ai rajouté une toute petite goutte de lait. Et c'est avec ça qu'on va faire notre dorure. Voilà, donc je vais passer ma dorure sur la surface, tout doucement. Je suis en train de préchauffer mon four à 180 degrés. Je vais mettre mes brioches au four pendant une vingtaine de minutes. Et je vais vous retrouver après pour le résultat final. Vous pouvez aussi, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi de faire ces brioches en format familial. Pourquoi pas? Vous pouvez le mettre dans un autre moule, un moule à tarte, un moule à cake, n'importe quel moule vous avez. Voilà, donc après, je mets un petit peu de mes graines de sésame par-dessus. C'est facultatif, comme je vous ai dit. Vous pouvez mettre autre chose. Des pépites de chocolat, du sucre perlé, ce que vous voulez. Voici le résultat de nos brioches. Alors, ils ont pris 20 minutes tout juste au four. Regardez, moelleux, le moelleux. Elles sont toutes moelleuses. Donc, bien évidemment, je les ai laissées un petit peu refroidir avant de finir de filmer la vidéo parce que sinon c'est trop chaud. Voilà, vous voyez le moelleux. Alors, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, je ne me rappelle plus, que vous pouvez aromatiser la pâte. Comme vous voulez, vous pouvez rajouter des zestes d'orange, de citron, rajouter de la vanille, rajouter de l'anis, rajouter n'importe
ce que vous voulez, n'importe ce que vous voulez, je ne sais pas d'où j'ai sorti ces mots, c'est pas du français. Vous pouvez mettre ce que vous avez envie pour aromatiser cette pâte. Moi, je ne l'ai pas aromatisée, pourquoi? Je l'ai laissée juste avec les graines de sésame et le peu de sucre qu'on a mis. Pourquoi? Parce que franchement, brioche comme ça, nous, on adore les ouvrir en deux. Mettre un petit peu de fromage, un petit peu de salami, un petit peu... Bon, bref, vous avez compris, on adore les manger salés. Ça fait un petit peu comme des pains burger. Si vous les testez, vous allez le remarquer de vous-même. Bien évidemment, si vous n'aromatisez pas la pâte. Sinon, vous rajoutez ce que vous voulez, comme je vous ai dit, des pépites de chocolat, etc., etc. Bon, maintenant, passons... Voilà. Bien cuite, bien moelleuse. Voilà, vous voyez. Allez, je vais ouvrir. Je vais. Vous voyez? Pas besoin de pétrir et de laisser des heures à pousser pour manger une bonne brioche. Ça, vous pouvez le faire même le matin même. Vous n'avez pas besoin de les faire le soir pour le lendemain. Vous les faites le matin. Ouais, ça m'a pris peut-être 1 heure à les faire. Comme je vous ai dit, je ne vous cache pas, j'ai mis mon four à 40 degrés pour faire pousser la pâte rapidement. Faites pareil. Donc, je vous dis, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, peut-être j'ai pris la décision de ne plus poster des vidéos pendant le week-end. Comme ça, je vous laisse le temps, le week-end, de visionner les vidéos qui vous intéressent, que vous avez loupées peut-être, ou pas d'ailleurs. Donc je vous dis à lundi, au revoir et merci.